Qu'est-on dans le ciel, zigzagant comme un frelon ou comme un cerf-volant? C'est Dragor le dragon. Dragor, Dragor, Dragor le dragon. Dragor, Dragor, Dragor le dragon. Sans hésiter, on ne peut se tromper. C'est Dragor, Dragor, le prince dragon. Tiens, je me demande ce que c'est. Oh là là, j'ai jamais vu ça. Il faut absolument que je le montre à Étincelle. Étincelle, tu devineras jamais ce que j'ai trouvé. Suis-moi. J'arrive, Dragor. Qu'est-ce que t'as trouvé, Dragor? Allez, montre-le-moi. Dis, s'il te plaît. S'il te plaît! Oh! C'est super! Fais voir! Non! C'est à moi! Je l'ai trouvé! Je veux juste la voir! Hé! Ah! C'est pas juste, hein? T'es plus grande que moi! Je voudrais que tu sois petite! Ah! Oh! Ce doit être une baguette magique! Elle a réalisé ton souhait! Excuse-moi, Étincelle, j'ai pas fait exprès. Je souhaite qu'Étincelle redevienne grande. La baguette magique a dû épuiser tous ses pouvoirs. Qu'est-ce qu'on va faire? Prenons cette clé, on risque d'en avoir besoin. Eh bien, que vois-je? On dirait que tu as fait un souhait que tu aurais souhaité ne pas faire. Seul le magicien peut vous aider. Avant d'aller le voir, allez dans la bibliothèque du château et prenez le livre de formules magiques. Bonjour, maman! Oh là là, vous vous êtes mis dans de beaux draps tous les deux. Il vous faudra voyager loin pour résoudre ce problème. Ces livres vous aideront à mieux connaître notre royaume. Si vous en choisissez un, je vous le lirai. Super ! On dirait le livre de formules magiques ! Ouais ! De la potion de feu ! Super ! Maintenant, je peux cracher du feu. Maintenant que je suis petite, tout ce que je peux cracher, c'est... des étincelles. Au revoir. Soyez prudents, mes braves petits dragons. Ça ne fait rien, on peut survoler la branche. Allons, dégageons quand même la route pour ceux qui savent pas voler. Que des étincelles! Quand je serai grande, j'espère que je pourrai de nouveau cracher du feu. Ouf! Vous êtes bien à la cabane du magicien, bravo! Rien n'apparaît tel qu'il paraît. Oui, tout à fait vrai. Bonjour, jeune dragon. Je suis Solimène, le magicien. On se trouve trop petite, je vois. Serait-ce donc vous qui avez trouvé ma baguette magique? Désolée, je savais pas que c'était la vôtre. Ça ne fait rien. Je suis heureux de l'avoir retrouvée. On dirait que vous avez besoin d'aide. J'ai fait un souhait que j'aurais pas dû faire. Il a fait un souhait qu'il n'aurait pas dû faire. Bon, je ne suis pas un expert en dragon, mais je vais faire de mon mieux pour réparer la situation.
Il me faut un livre de formules magiques pour dragons. Excellent! Le voici! Agrandir un dragon. Aïe, aïe, aïe! Ce ne sera pas facile! Il nous faut des ingrédients très spéciaux. J'ai besoin... d'une fiole d'eau magique, d'un fruit à pois rouge et d'une huître démarrée. Apportez-moi tous ces ingrédients et Étincelle retrouvera sa taille normale. Bonne chance! Au revoir, Solimène. On reviendra dès qu'on aura les ingrédients magiques.